Salut à tous, c'est Chouki0030 et donc on reprend la partie là où on s'était laissé, c'est-à-dire dans cette tour. Là on peut voir le vaisseau qui nous y a emmené. Et à mon avis je pense que ça va être la dernière vidéo parce que à mon avis, d'après ce que dit le mec qu'il y a dans le vaisseau, attendez, je peux juste avancer, Aussi regardez. longtemps que possible. Non, frère. Rejoignez-nous et semez la terreur parmi nos ennemis. Cette bataille est la mienne. Oui, chef. Voilà, donc en gros, il demande aux autres de rester pour buter les derniers membres du chaos. Et nous, eh ben, on va aller affronter, à mon avis, le boss final. Alors là, je vois des membres du chaos, on va aller les défoncer. Je suis con parce que je crois qu'il m'avait pas vu en plus. Ça va qu'ils sont pas spécialement dangereux ceux-là. Par contre, attendez, je vais baisser le son 2 secondes. Voilà, parce que je suis en train de m'éclater les oreilles. Alors. Ah ben oui, mince. J'avais même pas capté que j'avais le réacteur dorsal. Alors. Allez, ramenez-vous, bande de connards. On va utiliser notre fureur. Sinon, je crains qu'on n'y arrivera pas. Ouais, déjà, il nous laisse même pas le temps de frapper. Voilà. Attendez, il y a un truc là, juste là. Ah. Apparemment, faut faire quelque chose ici. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment pourquoi il y avait le petit symbole là. On va continuer d'avancer. Ah, il y en a d'autres là-haut. En fait, cette fois-ci, j'avais complètement zappé qu'on avait les réacteurs dorsales. Donc là, je vais sauter. J'espère pouvoir y arriver. Voilà. Tout de suite, plus pratique. Maintenant. Ouais, apparemment faut aller là. Cette folie ne m'arrêtera pas. Et toi non plus. Boum, en plein milieu. Je savais pas qu'on pouvait les finish là. À chaque fois, je les voyais disparaître comme ça. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Pas ça, pas ça, pas ça. Ça, c'est vraiment la merde. Attendez, je sais pas si j'ai encore du bolter. Ouais, c'est. Lui, il faut le tuer là parce que sinon c'est la mort. Hein. Ah, il est passé où? Oh oui! Parfait. Alors là, j'ai eu un. Bordé de nouilles, les gars. J'ai vraiment un cul bordé de nouilles, quoi. Il a pop juste à côté de moi. Voilà. Ah, un petit cerveau-crâne. Inquisiteur Drogan 9 sur 10. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'ai rencontré des résultats inattendus. Les énergies warp affectent chacune des espèces différemment. En gros,
je peux régler l'arme pour qu'elle inflige un maximum de dégâts selon l'ennemi. Si un humain est touché par le tir, il ne sera pas blessé. C'est une bonne chose. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Plus j'utilise l'appareil Warp, plus mes boucliers psychiques sont attaqués. Je suis là. Ouais. Ah, il est bien. Allez, il y en a encore là-haut. On va essayer de les surprendre. Comme on sait si bien le faire. Voilà, même pas eu le temps de finir sa phrase. Merde. Il y a du démon qui arrive. Oula, il y en a pas que. J'aime pas là, il se téléporte comme ça là. Il me semble qu'il y en a un autre encore. Ah non, c'est bon. Il est tout dessus. Ah, il y a quelqu'un là-bas. On va y aller au corps à corps. Ça sera tout de suite plus facile. Merde. Lui, il est dangereux. Quand j'ai tellement eu peu l'occasion de faire des finishes à ces gars-là, ils sont toujours à distance en fait sur ça. Oh la vache. Ils vont me déboîter eux. Waouh. Là je m'en vais parce que sinon c'est même pas la peine quoi. On va essayer d'en tuer quelques-uns avec notre arme à distance, par exemple lui là tiens, tout ce qui vient. Ouais forcément. Quand c'est lui qui va nous en mettre plein la gueule. Vous le croyez vous? Voilà, allez recharge man. Aïe. Tiens dans ta tête. On va essayer de lancer une grenade préventive. Je l'ai pas entendu. Elle a même pas pété, s'il faut. Bon là on va y aller à l'aveuglette les gars. Je recharge et on y va. C'est parti. Tuez le loyaliste. Tes frères le croyaient aussi. Traître. Leur cadavre en témoigne. Ah ça arrive en masse. Faudrait déjà que j'arrive à tuer les distances là parce que sinon c'est même pas la peine. Oh t'arrêtes de bouger toi. Lui faut que j'arrive à lui faire un finish. J'essaie de la sauver bordel mais il arrête pas d'esquiver. Je crois qu'on peut pas en fait. Ah ok bon bah apparemment c'est bon. Plus de réacteur dorsal. On va y aller à patte. On va se prendre des munitions un peu. Peut-être changer cette grosse masse. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous, au niveau des armes, on a ça. Ah, mais toi, on avait le sniper quand on pouvait utiliser le sniper. Enfin, bon, de toute façon. On va garder ça comme ça, ça a l'air d'être bien. Oh merde, pas ça. Ah. On va voir si ça fait bien mal ça. Ouais, ça va.
Nouvel objectif. Objectif. Traquer les mérotes. Que brûle la galaxie. Voilà, lui il est mort. De ma gueule là, j'ai mis 3 grenades dans le dos quoi. Pour ma part, franchement, je trouve que la hache, ça a été la meilleure arme de corps à corps dans ce jeu. Pour la gloire finale du chaos. Moi, elle est rapide, elle fait mal, elle est cool. Oh là là. Eh merde, y a un bordel là-haut. Tant qu'il y a ça, ça sert à rien de taper les ennemis ça. L'autre qui balance sa grenade au plafond, sérieux. What the fuck. C'est bon, je l'ai eu. Il y en a un autre, dis-moi pas. Ah non, c'est bon, là il est mort. Là la grotte. Le portail est fermé. Oui, j'ai le. Ah mais sérieux. Ils sont immunisés contre les grenades ces gars-là ou quoi? Voilà. Pas eu le temps de finir sa phrase. Pouah. Ah, munitions. Ah oh, munitions aussi là. Pas que je néglige ça. Pas que je néglige. Sinon je vais arriver contre l'autre là, j'aurais plus rien et je l'aurais dans le cul. Attendez, je regarde un petit peu aux alentours s'il n'y a pas un cerveau crâne, puisque normalement il y en a 3 dans ce niveau apparemment. Non, il n'y en a pas. Parce que c'est vrai que j'ai vachement zappé ça. Bon, même si c'est pas forcément utile, ça raconte juste ce qui s'est passé avant en fait. Avant tout ce bordel. Mais bon, ça serait bien que j'en trouve un peu quoi. Mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de choses que je m'emmerde pas à chercher. Ah, ça sent la fin là les gars. Tes mains sont couvertes de sang, Némérote, pour tous ceux que tu as tués, pour Sidonius et pour l'empereur. Je mettrai fin à ça. Dieu du chaos redoutable, je suis Némérote. Votre héros et votre champion. J'ai brûlé un millier de mondes à votre sinistre gloire. Vous m'avez lancé le défi de retrouver ce fragment de votre pouvoir. Et je l'ai fait. Les esclaves du faux empereur qui ont voulu s'en emparer. Ok, donc il est là. Par contre, ouais, voilà, comme je l'ai dit, j'arrive avec la moitié de mes munitions, ça va pas le faire, ça. Je vous rends votre sombre relique.
J'offre ce monde et tous ceux qui y vivent. Je demande la récompense qui m'est promise. Tu veux parler à tes dieux? Je vais t'envoyer vers eux. Avouez-le, Titus. Le pouvoir du chaos est là, en vous. Il appelle cette relique. Imaginez les Ultramarines dominant la galaxie après l'avoir glorieusement conquise avec vous à leur tête. Imaginez le pouvoir qui pourrait être le vôtre. En tant qu'esclave du chaos, rien de ce que tu diras ne me fera perdre mon honneur, et rien ne m'empêchera de venger la mort de mes frères. Vous n'êtes alors là, comment plus on fait une menace pour moi, désormais, Ultramarine. Hop, petite fureur là, déjà ça va nous faire repop notre vie. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais bien aimé l'avoir pour quand on va affronter le boss. Là, faudrait que j'évite de me faire toucher. C'est bon. Oh merde. C'est quoi ça? Montrez à cet idiot la véritable nature du pouvoir. Lui, on va tout lui mettre dans la tête là. Allez, crève donc, vieux corbeau, mort aux hérétiques. Ok. Oh merde, là c'est bon. Et les gars, je suis mort. Putain. Je risque de mourir. Ok. Ah non, ça va. Ouh, il y en a qui viennent de se tuer tout ça. Mais... ah, pourquoi il veut pas? On va laisser repop la vie, enfin l'armure. Lui il a voulu me lancer une grenade, bah non, c'est raté. Putain, grenade. Moi par contre les grenades là mon gars. T'en veux, voilà. Putain, j'aimerais bien aller vers eux là mais. Oh merde, recharge gros con. Allez vas-y mec. Allez putain de merde. Non, sérieux, j'aurais aimé récupérer ma vie, quoi. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire mieux maintenant. Peut-être que, en fait, dès qu'ils vont arriver, comme ça, dès qu'ils vont arriver vers moi, dès qu'il aura fait pop ses soldats, là, je vais envoyer les grenades, comme ça, déjà, les petits, hop, ils sont éliminés, les gros, ils sont affaiblis. Vous m'avez lancé le défi de retrouver ce fragment. Là, on va aller ramasser les munitions un peu. Merde, y'en a pas en plus. Les esclaves du faux empereur qui ont voulu s'en emparer. On va essayer de faire ça vite, hein, on va pas le laisser parler. On va prendre les munitions. Hop. Ah non, laisse-moi prendre les munitions. Votre sombre relique. Attends, voilà, c'est bon, hop, j'ai passé. Vous n'êtes une menace pour moi, désormais, Ultramarine. Allez, eux, normalement, ils devraient crever assez vite vu que je leur ai fait péter le bidon d'essence à la gueule. Là. Bon, allez, mes couilles. Oh là là, ce qu'ils font mal quand ils sont en groupe. C'est des meutes de chacal, ça. En plus, on peut même pas repartir, quoi. Alors là, hop. Regardez ça, parfait. C'est quoi qu'il y a derrière moi, là? Là, je me fais tirer dessus, je sais pas d'où. Ah, il est là. Allez, regardez, je vais tout lui mettre dans la tête dès qu'il... Merde. Oh, mais il y en a combien des... Putain, j'ai quoi comme le sniper, je vais essayer le sniper. Voilà. J'ai pas fait un doublé là? Oh, j'ai fait une brochette les gars. Avez-vous regardé le ciel dernièrement, capitaine Titus? Vous non, avez ta gueule. Ouvert un passage vers le royaume du chaos, capitaine. Oh non, pas ça. En
ce moment pas ça. Même, nos légions sont en train d'affluer. Non, les gars. Mais au lieu de cela, il en a provoqué une autre. Allez, ça. Wow. Les gars, je suis dans la merde. Je suis dans la plus grosse merde que je suis jamais été. Quoique. Allez, encore quelques coups. Allez. Voilà. On va essayer de se mettre à couvert parce qu'il y a les... Il y a les autres clowns là qui... Eux là. Voilà, déjà de 1, ça c'est fait. Hop, recharge. Heureusement qu'il bouge pas. Vos misérables forces impériales seront bientôt éradiquées de la surface de ce monde. Oh putain de merde. Bientôt, l'intégralité de ma flotte d'invasion fera son apparition dans cette réalité. Pour l'empereur, le seul loyaliste. Faut que je les affaiblisse bien là au moins là avec ça. Ça va être très chaud cette partie. Je vous le dis clairement, ça va être très très chaud. Allez, j'aimerais bien que ça. Oh, tu meurs toi? Sans espoir, Titus. Bon. La volonté des dieux noirs m'accompagne vers la gloire. Mais vous n'avez personne. Et vous allez mourir ici, seul. Ah, enfin. Je me suis dit, c'est une couille molle, quoi. Il envoie tous ses larbins sur moi, quoi. Je me moque que mes serviteurs soient tués. Je suis invincible. Les dieux du chaos me protègent à l'aide des énergies mêmes de la création. Tu oublies une chose, Nemeroth. J'ai déjà fait l'expérience du contact et du warp. Ok. Ah d'accord, ok, alors là ça va être... Ouh, c'est pas mal comme petite phase intéressante là. Comment on fait pour le frapper lui? Attendez là, je dis rien parce que je suis concentré. Merde, oh merde, j'ai appuyé sur start. Ok, là faut que je fasse X. Allez, c'est reparti. Encore ? C'est toujours le même QT. Même s'il faut attendre 1000 ans, je reviendrai un jour et je me vengerai de votre misérable personne. Ah, oh, c'est pas mal quoi. Vous trouverez wow. À m'accueillir, bras ouverts, en fils du chaos. En fait, quand je fais A, j'esquive le coup qu'il me donne. Bah, je comprenais pas ce qu'il faisait là, en fait, quand il faisait ça. Là. C'est bon, là, ça a l'air d'être bon.
Ouh, le coup de poule. Ah! Bébé, bébé, bébé. Allez, moi je vais y arracher la tête. Oh oui. Allez-vous bientôt nous rejoindre, mon frère? Écoutez, Ultramarine, vous avez sauvé ce monde. Je constate que les Ultramarines sont humains, après tout. Plus que vous ne le croyez, lieutenant. Cette satanée inquisition est là. Ces blessures semblent avoir été infligées par le chaos. Êtes-vous sûr de vos propos? Le capitaine Titus a été corrompu par le chaos, inquisiteur Trax. Je ne suis pas un hérétique! Mensonge! Seul un agent du chaos pourrait supporter cette exposition au Warp. J'ai envoyé le démon dans le néant. Mais avez-vous reçu une aide quelconque de nature impie? Nous devons savoir. Vous accepterez de vous plier à mon autorité, capitaine. En cas contraire, l'Inquisition devra conclure que vous avez corrompu tous les Ultramarines placés sous votre commandement. Sans oublier tous ceux qui vous témoignent leur soutien. Ignorez ces menaces. Venez. L'Inquisition vous détruira, Mira. Et les Ultramarines se seront déshonorés. À jamais. Laissez mes frères et le lieutenant tranquilles. Je vais vous suivre. J'ignore pourquoi je peux résister au contact du chaos, mais je jure de découvrir la vérité. De nombreuses vérités seront révélées, Space Marine. Le Codex Astartes ne laisse aucune place au doute. Le contact du Warp ne laisse personne indemne. Le Codex Astartes est un ensemble de règles. Elles nous guident. Elles forment les Ultramarines. Elles nous apprennent à respecter le devoir et l'honneur, et ce par-dessus tout. Mais c'est la façon dont on vit avec ces règles qui fait de nous d'authentiques Space Marines. Et... vous avez échoué. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Planète sécurisée, statut actuel en quarantaine sous ordre de l'inquisiteur Trax, protocole recommandé. Enquête sur Titus, capitaine des Ultramarines, pour soupçon d'hérésie. Ok.
Eh, sérieux, l'autre là, j'en étais sûr que c'était une merde ce mec. C'était vraiment une merde, j'en étais sûr. Attendez, il y a un chargement, peut-être qu'il y a un dernier truc. Ah bah non, c'est fini. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, hein, même si ce jeu est réellement un petit peu bourrin. Faut vraiment aimer un jeu comme ça, quoi. Assez linéaire, assez bourrin. Mais bizarrement, moi j'ai honnêtement, j'étais surpris parce que j'ai bien aimé. Je me suis pas emmerdé, bien que ce soit un jeu qui au final soit pas spécialement exceptionnel, quoi. Vraiment, voilà, ça c'est rien de le dire, quoi. Donc voilà, écoutez, moi je vous remercie à tous d'avoir regardé ce let's play. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. Et écoutez, la prochaine fois on va se retrouver sur PC cette fois-ci. Parce que bon, là, Xbox 360, ça fait quelques jeux que je fais dessus. Donc là, on va se retrouver sur PC. Cette fois, ça sera sur Dead Space. Je compte faire le 1 et le 2. Et puis, voilà. Hein, écoutez, j'espère que vous me suivrez sur ces deux autres Let's Play. Voilà. Allez, ciao tout le monde!